à mes frères, à mes frères, à l'Algérie entière, des montagnes du Djurdjura jusqu'au fin fond du désert, montrons notre courroux, montrons que nous nous aimons, mais sans porter atteinte aux consciences, mais porter un coup fatal, décisif, à ces soi-disant opposants, à ces fainéants de la nation qui se pavanent dans les salons de l'Occident et qui nous embourbent de bouts de désillusion, et à ces gens sans entente qui sèment le trouble et la honte sur cette terre prospère, très chère, où beaucoup de mères ont souffert. Qu'ils se taisent, qu'ils se taisent, et qu'ils se taisent. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.